L'homme a toujours été à la recherche de la liberté. Christ nous propose le chemin de la vraie liberté. Chers amis, c'est le sujet que nous allons débattre dans notre réflexion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la vraie liberté ? Nous sommes toujours dans le cadre de notre série « Le pouvoir de l'espérance » et la vraie liberté, lorsque nous la comprenons, elle participe à nous faire rentrer dans la véritable espérance. Qu'est-ce que la vraie liberté? Quelle est la liberté que Christ veut nous donner et est capable de nous donner et pourquoi? Alors nous allons, pour répondre à toutes ces questions, commencer par nous rappeler d'une chose. Quand il y a une ressemblance physique ou comportementale entre les membres d'une famille, on dit souvent que l'enfant ressemble à ses parents. Oui, car le parent était là avant et c'est lui qui a formé et formaté cet enfant. La situation, elle est différente quand il s'agit de Jésus et de sa mère. Jésus est le seul fils qui a été là avant sa mère. Il était même là avant les lointains ancêtres de sa mère. Oh, c'est vrai que si on se limite à la réalité scientifique, il sera difficile d'accepter ce qui vient d'être dit. Je vous le concède. D'ailleurs, certains contemporains de Jésus n'acceptaient pas non plus cette affirmation, l'affirmation que Jésus était là bien avant sa mère et bien avant les lointains ancêtres de sa mère. Même les contemporains de Jésus n'ont pas tous accepté cela. Nous en voulons pour preuve l'échange que Jésus a eu avec des leaders de son époque, des responsables de son époque, religieux notamment. Dans Jean 8, nous avons le récit de cette rencontre, de ce partage. Jean 8 au verset 58 et 59. Quand Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham est un lointain ancêtre de Marie, la mère de Jésus. Là-dessus, lorsque les personnes ont entendu ce que Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas accepté que Jésus dise qu'il était là bien longtemps avant même Abraham. Cependant, chers amis, ce n'est pas parce qu'une affirmation dépasse les limites de la science ou qu'une majorité ou encore que les personnes influentes de la société rejettent une affirmation qu'elle soit pour autant fausse. La vérité ne se trouve pas toujours dans les limites de la science, ni chez les plus puissants, ni dans la majorité. Sur la base de la Bible, nous admettons que Jésus est de nature divine et de nature humaine par son incarnation. C'est ainsi qu'il est annoncé par les anges qui portent l'évangile, la bonne nouvelle aux bergers qui étaient en train de faire paître leur troupeau dehors le jour de la naissance de Jésus. Et vous comprenez pourquoi parfois il nous arrive de dire que la date choisie pour la naissance de Jésus peut être discutée, parce qu'il est assez difficile de concevoir que les bergers fassent paître leur troupeau dehors au mois de décembre. C'est à discuter. C'est ainsi, je disais, que les anges annoncent aux bergers qui étaient dans les champs avec leur troupeau la naissance de Jésus. Ils portent l'évangile, ils portent la bonne nouvelle. Et que disent-ils? Dans Luc chapitre 2, versets 10 et 11, la Bible dit, « Mais l'ange leur dit, donc aux bergers, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, je vous annonce l'évangile, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Quand Jésus vient au monde, il est présenté comme le sauveur, le Christ le Seigneur. Par sa naissance, Jésus prend la nature humaine, mais il ne cesse pas pour autant d'être le Seigneur. Cette double nature apparaît encore clairement dans un échange que Jésus a
avec ses disciples. Dans Matthieu 16, nous avons le récit de cet échange. Nous avons le résumé de cet échange. Matthieu 16, au verset 13, la Bible dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Drôle de question, hein? Parce que dans la question, il y a déjà la réponse. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il donne déjà la réponse. Mais en fait, ce n'est qu'une partie de la bonne réponse. Puisque Pierre va répondre à la question au verset 16, et Pierre va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va valider la réponse de Pierre en lui disant au verset 17, « Mais ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de dire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Donc Jésus valide la réponse de Pierre. Ce qui nous fait bien comprendre que Jésus a une double nature. Il a une nature unique que personne d'autre n'a. Grâce à cette nature unique, Jésus a une position unique dans l'univers. Personne n'est comme lui et personne ne peut faire ce qu'il fait. Il sait mieux que quiconque ce qui est bien et ce qui est bon pour l'être humain, parce qu'il a une dimension humaine, mais parce qu'il a une dimension divine. Jésus peut faire le lien, le pont, l'intercession parfaitement entre nous et le Père. Il est en prise directe avec nous par sa nature humaine. Il est en prise directe avec nos luttes parce qu'il a mené les mêmes que nous, parce qu'il a partagé la même nature que nous. Mais il est aussi en prise directe avec le Père de par sa nature divine. Par conséquent, Jésus n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'aide pour entendre ce que nous lui disons. Jésus n'a pas besoin de médiateur entre lui et nous. Il sait nous entendre, il peut nous entendre parce qu'il a partagé notre nature. De par sa nature unique et merveilleuse, de fils de l'homme et fils de Dieu, Jésus peut nous comprendre, nous pardonner, mais aussi nous donner les moyens de sortir de n'importe quel esclavage ou pratique malsaine, parce qu'il a lutté et vaincu dans les mêmes conditions que nous, mais il a vaincu. C'est pour cela que nous lisons dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a mené les mêmes luttes que nous. Chaque fois que nous sommes tentés, nous devons nous dire que Jésus a été tenté dans le même rayon que nous, de la même manière. » Vous savez, chers amis, il n'y a pas de nouveaux péchés. Il n'y a que des nouveaux pécheurs. Le mal prend des formes différentes, mais la racine est toujours la même. Tout ce par quoi nous passons, toutes les tentations qui nous surviennent, Jésus les a eues et les a vaincues. Il peut nous comprendre, mais pas que. Parce que le verset 16 nous donne cette invitation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, le but de Jésus n'est pas seulement de pardonner nos péchés, c'est aussi nous donner la victoire sur la tentation, de nous permettre d'être libres de dire non. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Nous n'avons pas besoin que du pardon. Oui, nous avons besoin du pardon. Mais nous avons aussi envie de nous sentir libres, libres de pouvoir dire non. Alors, si on veut dire oui au mal, c'est aussi une liberté que Dieu nous accorde. Mais Dieu veut aussi accorder la liberté à ceux qui veulent dire non. Il veut nous accorder le pouvoir de dire non. Être libre, chers amis, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Être libre, c'est être dans une position de pouvoir dire oui ou dire non. Être libre, ce n'est pas toujours faire ce qu'on veut parce que ce qu'on veut est parfois nocif pour les autres, nocif pour nous-mêmes et attriste Dieu.
Parce que quelquefois, ce qu'on veut n'est pas toujours bien. Mais parfois, nous-mêmes, nous faisons quelque chose une année, et à la fin de l'année, nous disons, j'aurais pas dû faire cela. Donc, nous reconnaissons plus tard que ce n'était pas la bonne chose. Ce que nous voulons n'est pas toujours bien. Et donc, la liberté, c'est de bénéficier de l'assistance du Christ, qui a une expérience bien antérieure à la nôtre. Il est là, même avant Abraham. Il connaît tous les chemins, les sentiers, les dédales de la vie, et il peut nous guider et nous orienter. Être libre, c'est avoir la possibilité de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui n'est pas nuisible aux autres et qui soit constructif pour soi-même. C'est cette liberté que Jésus est venu nous faire connaître, cette vraie liberté, notamment dans Jean 8 au verset 34. Lorsque Jésus discute dans Jean 8 au verset 34 avec ses contemporains, il veut leur faire découvrir ce qu'est la vraie liberté. Lisons ensemble. Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est comment ? Esclave du péché. » Et au verset 35, il dit, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, par contre, y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Quand nous nous croyons libres parfois, eh bien, nous pouvons devenir esclaves du péché. Nous avons tous vécu cela. Quand nous étions plus jeunes, certains de nos camarades commençaient à fumer et ils se disaient libres de pouvoir fumer s'ils veulent. Et quand nous les rencontrons quelques années plus tard, ils nous disent « Je suis esclave de la cigarette, j'aimerais bien arrêter, mais je suis accro à la nicotine. » La vraie liberté, chers amis, c'est la liberté de pouvoir dire non. Oui, Jésus veut et peut nous libérer de l'esclavage du péché. Il veut faire des humains que nous sommes des êtres libres, libres de faire le bien, de faire ce qui est bien. Parce qu'aujourd'hui, parfois, nous ne sommes pas libres de faire le bien. Nous sommes libres de faire que ce qui est mal. Et parfois même à l'encontre de nos désirs les plus profonds. Quelquefois, nous avons le désir profond de faire le bien. Nous nous levons même en disant « je vais faire le bien ». Et à la fin de la journée, nous sommes obligés de faire le triste constat que nous n'avons pas pu faire ce que nous avions décidé de bien. Vous savez, chers amis, la vraie liberté, c'est cette capacité qui est en Christ, qui appartient à Christ, de dire non au péché et de marcher d'après les commandements de Dieu. Commandements de Dieu qui sont pour notre bonheur. Parce que vous savez, chers amis, les commandements de Dieu ne sont pas un carcan pour l'humanité. Les commandements de Dieu garantissent la liberté de chacun. Quand on marche d'après les commandements de Dieu, si une société, une famille marche d'après les commandements de Dieu, la liberté de chacun est garantie dans cette famille ou dans cette société. Les commandements de Dieu ne sont pas destinés à restreindre notre liberté. Au contraire, ils garantissent la liberté de chacun. La loi de Dieu, elle n'est pas difficile ni compliquée. L'apôtre Paul, lorsqu'il a bien compris ces choses, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. En fait, ce n'est pas la loi de Dieu qu'il faudrait changer ou chercher à changer, mais plutôt notre conception de la liberté et du bonheur. Le bonheur ne peut se vivre et se trouver dans une société sans règles et sans lois. Quand une société est sans règles et sans lois, ce n'est pas la liberté, c'est l'anarchie et c'est la loi du plus fort. Parce qu'il y a toujours une loi, mes amis. Soit c'est la loi de Dieu ou la loi du plus fort, la loi de la jungle. Mais il y a toujours une loi. Et quand nous avons bien compris ces choses, nous avançons avec Dieu, avec Christ, en nous rappelant tout ce que Christ est capable de faire pour nous. Christ est capable de pardonner nos péchés, mais pas que. C'est un aspect de son ministère et de ses capacités. Il peut comprendre nos faiblesses, nos chutes. Il sait même quand nous avons été ignorants ou égarés.
Mais il veut nous donner plus que cela. Jésus, il veut nous donner plus que simplement le pardon de nos péchés. Il veut nous donner la vraie liberté. Prenons l'exemple d'un homme dont l'histoire est racontée dans la Bible, dans plusieurs pages de la Bible. Cet homme s'appelait Salomon. Salomon était un roi d'Israël, fils de David. Il connaissait donc Dieu et sa parole. Et lui-même, il témoigne du fait qu'à un certain moment, il a mis de côté la parole de Dieu dans sa vie. Il témoigne dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 10, quand il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est là la part qui m'en est revenue. » Et si vous prenez le temps de lire l'histoire de la vie de cet homme, de Salomon, effectivement, il ne s'est refusé aucun plaisir, dans aucun domaine. Il détaille tous les domaines de la vie. Et à tous ses sens, il a accordé tout ce qu'on peut accorder à ses sens, pensant qu'il trouverait le bonheur. Mais à la fin, il finit par dire, maintenant au chapitre 8, il avance dans son expérience de vie. Et il dit au chapitre 8, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Il dit encore, « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Mes chers amis, regardons ceux qui ont été avant nous. Peut-être tout près de nous, ou très longtemps dans le passé, comme Salomon. Et comprenons bien que la recherche du plaisir, pour le plaisir, sans Dieu, ne mène pas au bonheur. Dieu n'est pas contre le plaisir. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné nos sens, et c'est par nos sens que nous éprouvons du plaisir. Dieu n'est absolument pas contre le plaisir. Cependant, la recherche du plaisir ne doit pas devenir l'objectif numéro un de notre vie, et la recherche du plaisir ne peut se faire au mépris de l'autre, ou en utilisant l'autre, ou en abusant l'autre, ou en faisant de la peine à l'autre. On ne peut pas prendre son pied et faire les autres perdre leur tête. Chers amis, beaucoup ont essayé, mais ils ont tous conclu comme Salomon à la fin de leur vie. Je sais que le bonheur n'est pas pour le méchant, mais le bonheur est pour ceux qui craignent l'Éternel. Chers amis, Dieu nous fait savoir encore une fois qu'il n'y a pas d'avenir heureux sans lui. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Alors que nous sommes dans cette période où beaucoup commémorent la venue du Christ sur la terre, sa naissance, rappelons-nous que Christ n'est pas qu'un bébé, il n'est pas qu'un humain, il est le Seigneur, il est Dieu, il est Emmanuel parmi nous. Et quand nous avons cette conscience de la nature, de la double nature, de la nature unique du Christ, nous considérons que celui que nous portons dans nos cœurs est capable de nous comprendre, mais il est désireux également de nous transformer et de nous donner la vraie liberté. Chers amis, entrons dans la vraie liberté. Ne soyons esclaves de rien ni de personne, mais soyons libres, véritablement libres, libres de dire non, libres de repousser le mal, libres d'appartenir à Jésus. C'est le chemin du bonheur. Prenons le chemin du bonheur. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que la Bible, c'est ta parole. Et dans la Bible, il n'y a pas de discours philosophique, mais le récit de l'interaction qu'il y a entre toi et des hommes. Et ces récits nous servent de modèle pour que nous ne puissions pas nous égarer. Merci Seigneur parce que dans ta bonté, tu as pardonné à Salomon
qui t'a abandonné, qui s'est détourné de toi, qui s'est livré au mal. Mais quand il est revenu, Seigneur, il a pu bénéficier de ta grâce et de ton pardon et il a pu témoigner que le vrai bonheur se trouve auprès de l'Éternel. Seigneur, qui que nous soyons, peut-être comme Salomon, un roi ou un riche ou une personne importante, d'après les critères de la société, ou simplement, Seigneur, un citoyen, mais Seigneur, ta grâce, elle est pour tous les hommes. Que nous soyons riches ou pauvres, rois ou simples citoyens, ta grâce, elle est pour tous les hommes. Merci de l'avoir manifestée pour Salomon. Merci de manifester ta grâce, ton pardon et ta miséricorde pour chacun de nous aujourd'hui qui, comme Salomon, confesse son péché. Aide-nous comme Salomon, Seigneur, à reconnaître que nous nous sommes peut-être égarés, éloignés de toi, méprisés pendant des années. Mais dans ta bonté, tu nous accueilles et tu nous pardonnes aujourd'hui. Aide-nous comme Salomon à reconnaître, Seigneur, que le vrai bonheur, c'est près de toi et en toi qu'il est. Aide-nous à t'accepter comme sauveur. Aide-nous à nous engager avec toi. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à prendre la décision d'être baptisés, comme tous ceux qui se sont repentis ont été baptisés dans la Bible. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à entrer dans le bonheur. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous souhaite de lire l'histoire de Salomon et de comprendre encore une fois que le bonheur, c'est en Jésus qu'il se trouve. Ce personnage tellement unique, ce Dieu, cet homme qui nous comprend et qui nous aime. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Le Fils de Dieu pour moi s'est donné, afin que par Jésus je sois justifié. Oui, c'est à ma place qu'il fut livré, afin que par Jésus-Christ je sois racheté. Pour que par lui seul, que par Jésus je sois justifié. Au nom de Jésus, que par Jésus je sois glorifié. Oh, oh, oh. Le Dieu Saint s'est offert pour moi, pour que par Jésus je sois justifié. Par le nom du Sauveur, que par Jésus je sois glorifié. Si l'ennemi m'accuse, c'est en Dieu que je me confie, afin que par Jésus je sois justifié. Auprès du Père, Jésus-Christ défend ma cause, afin que par Jésus-Christ je sois racheté. Il me défend, que par Jésus je sois justifié. Doux nom de Jésus, que par Jésus je sois glorifié. Il s'est fait homme, vécu parmi nous. Il accomplit sur terre le plan du salut. Il fut condamné à ma place. Si je vis en lui, je verrai sa face. Le Fils de Dieu pour moi s'est donné, afin que par Jésus je sois justifié. Oui, c'est à ma place qu'il fut livré, afin que par Jésus-Christ je sois racheté. Pour que par lui, que par Jésus je sois justifié. Pour que par lui seul, que par Jésus je sois glorifié. Oh, oh, oh. Le Dieu Saint s'est offert pour moi, pour que par Jésus je sois justifié. Par le doux nom de Jésus, que par Jésus je sois glorifié. Je sois glorifié. Je sois justifié. Je me sanctifie. Je sois glorifié. Que par Jésus je l'assure. Je sois justifié.
appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Tu m'as redonné la force d'espérer.